Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant tout débat, et quel que soit le sujet, la première chose à faire, réitérer la solidarité et le soutien avec le peuple kabyle qui souffre d'une injustice de la part des dictateurs de l'armée algérienne, du régime assassin, le régime colonialiste placé par la France pour la remplacer et pour empêcher les peuples de l'Afrique du Nord de se développer et de s'épanouir. Solidarité donc avec le peuple kabyle jusqu'à ce que l'injustice soit levée et ravi de vous retrouver sur la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. En Mauritanie, c'est toujours une Algérie qui tire vers le bas. À chaque fois que le Maroc vient tendre la main à la Mauritanie pour rejoindre le train du développement, le train de l'épanouissement et le train des libertés, à chaque fois que le Maroc prend contact avec les autorités mauritaniennes, il y a toujours une délégation algérienne qui vient par la suite. Que ça soit une délégation de pêche, que ça soit une délégation de l'habitat ou une délégation sécuritaire, cette fois, et ce n'est pas la première fois, c'est une délégation militaire qui se déplace en Mauritanie après celle du Maroc il y a quelques jours. Au lendemain des premiers tirs de projectiles menés par le Polisario sur des cibles civiles à Smara, le 28 octobre, une délégation conduite par l'inspecteur général des forces armées royales s'était rendue en Mauritanie. Deux semaines seulement après, cette visite effectuée par des membres du haut commandement des forces armées royales marocaines, c'est l'Algérie qui envoie à son tour des responsables militaires à Nouakchott, un déplacement de 5 jours qui a pour objectif, selon les dires de l'Algérie, de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères, indique l'agence mauritanienne d'information AMI officielle. Rappelons que le 30 mai 2022 à Alger, la Mauritanie et l'Algérie avaient signé un accord de coopération dans le domaine de l'armée de l'air. Ce chassé-croisé de délégations militaires n'est pas anodin, car depuis plusieurs années, Rabat et Alger se livrent une bataille politique et économique pour s'attirer les faveurs de Nouakchott sur le dossier du Sahara occidental, observe certains observateurs internationaux. Et si le dossier du Sahara marocain occidental est un dossier qui intéresse le Maroc dans le vif de son intégrité territoriale, étant un territoire que le Maroc a récupéré du colonialiste espagnol, un territoire historiquement depuis des milliers d'années, relevant du royaume chérifien du Maroc, à travers toutes les dynasties qui se sont succédées, l'Algérie en fait un dossier juste pour déranger le Maroc et pour l'empêcher de clôturer son intégrité territoriale, pour l'empêcher justement de réclamer les terrains du Sahara oriental que la France avait refusé de remettre au Maroc, le titulaire historique, et qu'elle refuse toujours de le remettre avec ses archives. L'Algérie qui a été désignée par la France comme gardien de ses territoires du Sahara oriental pour qu'elle puisse continuer à profiter de ses richesses dans le gasoil et le pétrole et d'autres minéraux précieux dont on ne parle jamais. La France a désigné l'Algérie et ses caporaux comme gardiens de ce territoire et l'Algérie fait tout pour occuper le Maroc, comme avait dit Houari Boumediene, l'Hajraf al-Sabbat, ce qui veut dire un caillou dans les chaussures
pour empêcher le Maroc de réclamer un jour son Sahara oriental. Mais elle se trempe l'Algérie avec ses caporaux. Elle se trempe la France. Le Sahara occidental est marocain et dans son Maroc. Et le Maroc est dans son Sahara occidental marocain. Et c'est le tour du Sahara oriental dont justement il faudra discuter au lieu d'essayer de gagner du temps et de jouer le malin en semant la zizanie entre la Mauritanie et le Maroc. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 euros par mois. N'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun maghribiya, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco, pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir. La chanson Amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun maghribiya, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Thank you.
Thank you.